Bienvenue sur le tracé urbain de Bakou, où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer. Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointe élevées grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure deux fois celle de Shanghai. Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste. Je salue tous nos téléspectateurs et bien entendu, je ne vous oublie pas, mon cher Nicolas Martin. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, qu'il y a beaucoup de simulations à faire. Alors d'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 km/h en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante qu'il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ce Grand Prix de Bakou ici en Azerbaïdjan avec au programme une nouvelle évolution aérodynamique qui devrait peut-être nous aider à mieux nous en sortir dans les secteurs sinueux. Au niveau de l'aileron avant, il y a du nouveau sur cette AS. Malgré tout, je suis assez inquiet pour cette épreuve puisqu'on n'a pas la voiture pour faire ce qu'il faut face au moteur Mercedes des Racing Point ou encore à la vitesse de pointe des Renault, notamment celle de Ricardo qui est plutôt véloce par rapport à Butler. On va voir ce que l'on peut faire avec tout de suite la séance d'essais libres. C'est parti. Avec le réglage de base de la Haas, on va essayer de signer un tour de reconnaissance correct. Et on entame le tour avec le premier gauche 90 degrés. Le deuxième virage qui est sans doute l'un des plus difficiles. Pas beaucoup de place au départ, on peut rapidement se faire piéger. Hop, en troisième ici. On a été un peu piégé. Légèrement en retard sur le freinage. Pour l'instant, un tour qui est correct, mais pas exceptionnellement bon. Et on va enchaîner avec la partie la plus étroite du circuit et surtout de la saison. Passage du château. Toujours très technique ici. On a une voiture qui glisse également beaucoup du train arrière. On va essayer de régler ça avec les setups pendant les séances d'essai. Et on termine avec le deuxième partiel plutôt sinueux. Et on découvre la grande ligne droite avec ses enchaînements rapides qu'il ne faut pas rater si on veut avoir la possibilité peut-être de dépasser avec ou sans le DRS que l'on active juste avant de franchir la ligne. Voilà. Et cela conclut un tour de ce circuit de Bakou. Les essais ont permis de déposer de la gomme sur le circuit, mais pour autant, cette séance s'annonce difficile pour les pilotes qui vont se battre pour la pole position. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Ouais, lancer un chrono correct ne va pas être simple dans cette Q1 avec des essais libres désastreux. On a eu beaucoup de mal à remplir certains exercices de R&D. J'ai glané que 200-300 points, c'est pas exceptionnel. On a donc une Haas allégée en appui qui sera un peu moins à l'aise dans les sections numéro 2 du circuit et particulièrement la partie de l'ancienne ville. Pour le reste, voiture agile et rapide qui me correspond bien dans le premier et le troisième partiel. Ici on a trop rétrogradé, on a fait dériver le train arrière. J'ai aucune idée de ce que va donner cette Q1. Est-ce qu'on sera 17e ou 2e? J'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. Je
J'ai juste envie de partir au niveau de la course avec des pneus médiums. Si le chrono est pas trop mauvais, ça nous permettrait d'avoir la chance en fin de course d'essayer de se prendre le meilleur tour absolu. Alors que là en piste on est derrière une Williams et c'est Romain qui a le meilleur temps pour l'instant, une 1717. On est obligé de passer en deuxième ici tellement la voiture en virage est légère et manque d'appui. On reste en 3. Et là, la grande ligne droite. Et c'est ici que ça va être technique pour passer les enchaînements rapidement. Voilà. Et là, on monte à plus de 320 au niveau de la VMAX grâce au DRS. 330 facilement. À 328. Et on est 8 dixièmes derrière Romain Grosjean, ce qui est loin d'être rassurant. Et à l'issue de cette première séance qualificative, c'est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide. Les Mercedes ont l'air d'être en forme. Perez sur la Racing Point est pas mal. Et là, Red Bull de Verstappen est un peu loin. Romain Grosjean 7ème. Et quant à nous, eh bien, on se qualifie in extremis pour la deuxième séance. Juste derrière Kimi Raikkonen. George Russell a réussi à se qualifier. Et on voit que les Renault souffrent pas mal également avec la 8 et 9ème place de Butler et Ricciardo. Allez, on va débuter la Q2 avec des pneus médiums, on va voir où cela nous place. En tentant de garder un certain rythme. Un petit peu de sous-virage ici, c'est dommage. En deuxième, on relance. Ici, là, ça va pas être top. Mais bon, un tour avec ces pneus-là, si on parvient à se mettre dixième, c'est un petit miracle. Meilleur temps pour Devon Butler à l'instant en 1.43.7. Verstappen 1.41.3. Un petit peu large. Pour pas dire complètement en dehors du circuit. Et là maintenant, on prie pour que la vitesse de pointe de 328 km/h soit suffisante. Ah. Allez. Et 2 secondes 6 par rapport à la pole. On sera pas en Q3, je crois que la messe est dite. Et on en restera là avec notre stratégie et notre volonté de ne pas passer en Q3 avec des pneus soft. Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Lucas Weber. 3 moteurs Mercedes hein, aux 3 premières places de la Q2. On va découvrir lors de l'introduction de la course ce qu'aura donné la Q3, mais on sait déjà que n'y participeront pas la Ferrari de Leclerc, l'Alfa de Raikkonen, Kvyat, Russell, éliminé tout comme nous. Et bien voilà, c'est parti donc pour le Grand Prix de Bakou. Bonjour à tous et bienvenue à Bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité, des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour Williams et Lance Stroll. Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes.
Nicolas Martin est à mes côtés aujourd'hui pour commenter une course quelque peu différente. Le tracé est plutôt rapide pour un circuit urbain, non ? Croyez-vous que cela pourrait réserver quelques surprises ? Eh bien, tant que les écuries calment un peu le jeu, je ne pense pas qu'il y aura de problème du point de vue technique. Je m'attends cependant à ce que la piste soit relativement glissante, car il n'y a pas eu beaucoup de dépôts de gomme. Tous les circuits urbains sont pleins de pièges, donc je pense que nous allons voir quelques erreurs. La meilleure stratégie serait d'attendre la sortie de la voiture de sécurité, surtout au début quand le peloton est compact. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas part en pole position, accompagné de Lucas Webber. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Vettel, Devon Butler et Perez, Verstappen, Gasly, Ricciardo et Romain Grosjean, Raikkonen, Russell, une As et Sainz, Albon, Kubica, Antonio Giovinazzi et Lando Norris, Leclerc et Daniil Kvyat qui ferme la marche. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Allez, on est parti pour le tour de formation de ce Grand Prix de Bakou avec, vous le voyez, des pneus médiums qui ont été chaussés sur la voiture. C'est la stratégie. On va donc faire 9 boucles avant notre arrêt, 9-10 tours. Et ensuite, eh bien, on terminera avec les pneus super tendres en essayant d'aller chercher un chrono qui pourrait nous offrir les points du meilleur tour si l'on est bien évidemment dans le top 10. On a gagné 2 places sur la grille. Initialement, nous partions 15e. Nous sommes 13e derrière George Russell. Ça me fait pas trop peur. C'est plutôt Carlos Sainz qui prend d'excellents départs derrière, qui pourrait être une menace. On confirme qu'il n'y aura pas de pluie à la radio. On va essayer d'améliorer la tenue de l'ERS dans les prochaines courses. On va essayer d'améliorer également la vitesse de pointe, même si avec un setup où il y a moins d'aéro, la voiture se comporte tout de même de manière correcte. On verra avec des pneus usés, en espérant ne pas laisser de morceaux de carbone sur les murs de la cité de Bakou. Pour le reste, eh bien, devant la bonne performance de Devon Butler, qui se retrouve quand même sur la troisième ligne, et surtout de Lucas Webber, qui une nouvelle fois avec la Racing Point crée la surprise. Alors évidemment, il va sans doute rentrer dans le rang au fur et à mesure du Grand Prix, mais pour l'heure, ça reste sans doute l'exploit avec une première ligne qu'il avait déjà acquise en début de saison à Bahreïn aux côtés de Pierre Gasly. On va voir ce que ce moteur Ferrari peut nous offrir comme outil de défense face aux voitures qui gravitent autour de nous. Attention également au risque de pace car, le safety car qui pourrait venir redistribuer les cartes. Bref, un Grand Prix qui s'annonce très incertain. On va voir ce qu'on va pouvoir tirer de tout cela avec l'objectif principal de ramener des points, pas aller chercher Romain parce que lui, il est bien devant nous en 9e place. Mais allez, on espère tout de même glaner une unité à l'issue de ce Grand Prix pour ne pas rentrer bredouille. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Et c'est parti, on roule à Bakou, le départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Eh bien, on va essayer l'extérieur, pourquoi pas. Attention, Sainz qui a pris un très bon départ lui aussi et qui a réussi à l'intérieur à prendre 2 ou 3 positions. On va être très vigilant dans ce deuxième gauche, on est bien ressorti. Et on va se mettre à la hauteur de Sainz pour créer 3 lignes. Attention, c'est comme ça que ça avait mal fini avec Alonso en 2017. Et là, ça passe. Comment j'ai pas cassé mon museau, je ne sais pas. J'ai fait de l'intérieur à Romain, un petit peu en catastrophe et en vrac, il faut le dire. On va garder le mélange riche pour l'instant. On peut consommer un peu de carburant. On a 2 tours et demi de marge. Certes, ça fait du poids, mais ça m'aidera peut-être à tenir le rythme de mes petits camarades. Allez, premier passage dans la section de l'ancienne ville. Et on est pas mal, hein. On est 9e, les 2 As dans les points. C'est un bon envol compte tenu des pneumatiques qui sont bien pour le moment.
Troisième partiel pour la première fois dans quelques instants avec la grande ligne droite de 2 km. Qu'est-ce que cela va donner face aux autres? Allez, on augmente légèrement le RS dans la grande section rapide du circuit. Romain qui est derrière à l'aspiration. A essayé de casser cet aspi. Romain qui va partir sur l'extérieur. Allez! Et il ne peut pas croiser. On s'en sort très très bien sur ce segment. Premier tour couvert avec toujours une Mercedes en tête et même deux Mercedes aux avant-postes. C'est chaud en tout cas entre Lucas Weber et la deuxième machine à l'étoile. Et on n'est pas si loin que ça de Verstappen pour l'instant. Il se gêne un petit peu hein, devant. Je crois que c'est Perez qui retient le reste du peloton. Il travaille pour Weber évidemment. Je suis vraiment surpris par le rythme de ma voiture avec ses pneus médiums. On perd un petit peu. Ouais, mais je garde le RS pour la ligne droite. J'aimerais bien une voiture suffisamment à l'aise en virage pour passer la troisième et pas redescendre en seconde avant la grande ligne droite et rendre quelques mètres à la Red Bull. Un Romain qui est encore proche. Ça va encore jouer à pas grand chose. Et on laisse Romain reprendre la 9e place pour l'instant avec le DRS. Ça a peut-être changé. Hop, on s'infiltre. Et on repasse devant Romain Grosjean. Qu'en est-il des pneumatiques? 16% d'usure. C'est vrai que là, on est un peu sauvé aussi par les gommes, hein, puisque eux partent avec des pneus soft et des pneus qui ont fait la qualif. Nous, on a des pneus médium neufs et on aura des pneus soft qui seront neufs également tout à l'heure. Donc, on aura vraiment une chance, si on gère pas trop mal notre ERS, de récupérer une voiture avec du carburant, de l'ERS et des pneus chauds pour aller faire sans doute une bonne performance. On a passé le cap des 15% d'usure sur le train arrière, de 10% sur le train avant, donc la voiture ne tartine pas trop dans les sections sinueuses. Je suis plutôt content du setup avec un peu moins d'appui. C'est un peu délicat dans les sections serrées, mais globalement je m'en sors bien. Alors que devant, Mercedes est en train d'installer sa domination. Deux machines d'usine devant deux monoplaces clientes, celle des Racing Point de Butler. Ouais, les Racing Point pardon, de Lucas Weber et de Sergio Perez. On va repasser, non pas en pauvre mais en standard, et on reste sur 3 au niveau de l'ERS. On va pas tout user non plus, parce que là Romain n'est pas tout à fait en mesure de venir nous chercher. On reste un peu plus modeste pour l'instant au niveau de l'usure du carburant. Et on profite que Butler et Verstappen se battent pour essayer de conserver le contact. Oh, allez, on va encore aller chercher un petit peu de carburant. On va descendre encore plus bas. Le RS, on le laisse sur 2 pour l'instant. Ça nous fait de la marge. Oh là 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 là, c'est chaud devant avec les deux Red Bull qui sont en grosse difficulté. Gasly au contact avec Butler.
Il y a Verstappen qui va tenter de se hisser derrière la Renault. On peut pas faire grand chose, on va attendre, on va pas jouer au malin. Parce que c'est un jeu auquel on peut plus facilement perdre très très gros sur une piste comme celle-ci. Allez, on est quasiment à la mi-relais avec nos pneus médiums. Et on va voir combien de tours eux vont effectuer avec leurs pneus tendres et usés de la qualif. Allez, c'est ici que je perds un peu. J'ai pas trop perdu sur la Red Bull. Attention à pas être déventé pour autant. DRS pour tout le monde. Hop, et une Mercedes dans la pit lane. A new strategy is available on the MFT. Alors, qu'est-ce qu'on va me proposer? Non, non. Je conserve mon arrêt, pardon. Oh, et les deux qui rentrent dans la pit lane côte à côte, ça c'est magnifique. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Et Romain dans les stands, et là ça va être la cohue. Hein. Alors que pour l'instant les deux Racing Points sont en tête, pas d'arrêt pour ni Lucas Weber, ni Sergio Perez. Oh là, oui, il y a du monde là dans la voie des stands. Il y a des positions qui ont dû se perdre là. J'étais pas loin du mur non plus à l'intérieur. Faut que je conserve ma concentration. Mais pour l'instant, le tableau de marche est plus que respecté avec des tours corrects, une voiture qui n'est pas acculée par les autres en fin de peloton malgré ses pneus, et une stratégie qui m'offrira une pit lane parfaitement libre. Faudra juste ne pas se rater au moment d'enclencher le pit limiter, et on pourrait faire d'ailleurs une très belle opération niveau rythme là. Raikkonen qui est cinquième, n'a pas ravitaillé devant Gasly non plus, et les deux Racing Points. Ça va être intéressant de voir comment Racing Point va gérer ses pilotes. Parce que là, il commence à faire beaucoup de tours. Ça va faire 7 tours quand même en pneu soft pour l'un des deux. Je crois que c'est tout de même Lucas qui va être le premier rappelé dans la voie des stands. Quant à nous, la voiture se comporte comme on le souhaite. On a de l'ERS, on a encore de la marge au niveau du carburant. On ne doit pas passer en pauvre pour l'instant. On est moins rapide, évidemment, c'est logique. Qu'en est-il des pneumatiques? Ouais, 35%, c'est pas mal. Gap to car in front is 4.8 seconds. Et c'est effectivement Sergio Perez qui a été le premier à ravitailler. Belle maîtrise de la part de Lucas Weber. Parti en pneus soft et qui aura fait donc 7 tours avec ses pneumatiques. C'est pas mal. Oh là 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 là. J'ai freiné très tard. Je pense que mes gommes sont en train de commencer à me lâcher. Ouais, je comprends pourquoi on voulait que je rentre au 7 et pas au 8ème tour. Pourtant, je suis pas si loin que ça. Je suis à 35% d'usure sur le train arrière. C'est perturbant alors que c'est Bottas qui a pour l'instant le meilleur tour. Alors je vais sacrifier peut-être une boucle pour rentrer plus tôt, je ne sais pas. J'aimerais vraiment des pneus tendres tout neufs pour aller chercher ce point. Qu'est-ce que ça va donner stratégiquement? On est plus lent, hein, de toute façon pour l'instant. Regardez les secteurs en haut à droite de l'écran. Sont tous en rouge depuis 5 minutes. Oh, il faudra un pace car là maintenant. À la sortie d'une voiture de sécurité serait mon salut dans ce tour ou le prochain. On va laisser un tour supplémentaire, tant pis. On va laisser un tour supplémentaire aux pneumatiques. On a un ERS qui va être plein. On a un carburant correct et on va tenter, en sortant des stands, de signer le meilleur tour avec les pneus
les plus frais possibles. Regardez, Bottas revient, on est plus lent, on le sait de toute façon, c'est certain. Alors on va essayer de rentrer en tant que leader dans les stands puisque on s'est arrêté pour Lucas Weber et pour l'une des Ferrari. Ça doit être Sébastien Vettel puisque Leclerc était... Oh là, attention au rapport de boîte puisque Weber était rentré. Attention tout de même, on va pas défendre. Hop, in extremis. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors le problème c'est que je veux pas défendre face à Bottas, mais là, on a failli pas se comprendre. Drapeau jaune! Attention, drapeau jaune derrière! Est-ce qu'il va y avoir un pace car? Ça peut être vraiment décisif. On va laisser passer Bottas. Il semblait plus rapide. Oh, et c'est Romain! Aïe, aïe, aïe! Romain qui est à l'abandon. Ça, c'est vraiment dommage. Et il est arrêté dans un endroit vraiment compliqué. Ah, il est au pied. À mon avis, il a dû taper. Hein. On va avoir le DRS avec Bottas. Et on va donc rentrer. Hop, et Bottas qui semble être au ralenti. Ça, c'est aussi important. Alors maintenant, c'est là qu'on va devoir tout donner. 3 secondes, c'est pas l'arrêt du siècle. Où est-ce qu'on ressort? Et on ressort 10e derrière Kimi Raikkonen. Et bien voilà. On n'a absolument rien gagné pour l'instant. Maintenant, on a des pneus plus rapides, une voiture capable d'aller faire un chrono. Je crois qu'au prochain passage, on va tenter notre chance pour aller chercher ce meilleur tour. Il faudrait passer Raikkonen, ce serait pas mal. Ça a l'air d'être fini pour Romain. C'est pas ce qui s'est passé, il n'y a pas l'air d'avoir de débris dans cette section du circuit. On est incroyablement rapide par rapport à Raikkonen. Il va tenter de se défendre. Et on va passer. Premier secteur dans le mauve. Si on parvient à avoir la speed de la Ferrari en bonus. Ce serait tout simplement exceptionnel. Deuxième partiel dans le mauve. Ah, on a mal calculé avec la Ferrari, mais on est pas mal. Ah, quoique. On va avoir un petit peu d'aspi. Yes! Yes, c'est fait, on a le meilleur tour. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap.
Allez, c'est pas mal. On va récupérer un rythme normal. On avait une tentative pour réussir ce meilleur tour. On l'a pour l'instant. Il nous reste 4 tours de course. Est-ce qu'on peut remonter sur Charles Leclerc qui a fait un Grand Prix formidable, hein, pour le coup. Our gap to the car in front is 1.9 seconds. Il a appliqué la même stratégie que nous. Elle a mieux fonctionné pour lui, il a gagné plus de place. Alors regardez, tout de suite on revient à un rythme de course classique. Et du coup on perd beaucoup de temps par rapport à notre temps précédent. Mais on a le meilleur tour en course, on l'a enfin. Et drapeau jaune derrière, il y a eu un souci pour une voiture. Je ne sais pas de qui il s'agit. Oh, et c'est Carlos Sainz qui a dû abandonner. Oh! Ah Kimi, tu freines tard là. Oh. Eh ben voilà. Ça devait arriver. Aïe aïe aïe. On n'a pas voulu lâcher ni côté de Raikkonen ni moi. Et ça, ça crée un carambolage monumental derrière. C'était pas du tout ce que je voulais. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, et en plus je vais taper. Ouais, j'ai un aileron endommagé, c'est pour ça. Safety car. Ah, le bon. Et tout le monde va abandonner. The gap to the car ahead is 16.5 seconds. Aïe 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 aïe, ça c'est une petite catastrophe quand même. Je vais être vigilant avec mon aileron. Alors Raikkonen qui est à 10 secondes maintenant. On va pas dire que le Grand Prix est plié, mais malheureusement oui pour nous là avec l'aileron cassé. On va plus chercher grand chose, 307 km/h en Vmax. Ouais. Ah, je voulais pas lâcher face à Kimi. Je savais que ça allait pas passer, mais à ce point là, je pouvais pas soulager, j'étais... Ah, j'étais devant, bah décidément voilà, on va finir l'aileron. 40%, ouais, les pneus sont morts, donc si j'étais rentré un tour plus tôt, ça aurait pu être encore pire. Et derrière, tout le monde va rentrer dans les stands. Ça, c'est assez incroyable. Je pense que tout le monde a dû casser au moins un petit morceau d'aileron. Hop, et ici, il y a encore des débris. Alors, là, je suis à l'économie totale, un peu en eau de boudin, ce dernier tour. Et en fait, j'ai rétrogradé en deuxième et je l'ai perdu. Tout simplement, j'ai voulu repartir. Je crois que j'ai même tapé en reculant dans le mur. Et c'est Giovinazzi qui récupère le point de la 10ème place. Giovinazzi qui est le seul qui n'a pas dû ravitailler puisqu'il n'est pas impliqué dans l'accrochage. Il va y avoir des débris ici. Ouais. Quelques-uns. Are you alright? Engine off, engine off. On va essayer de ne pas aller se mettre dans le mur tout de même dans ces derniers kilomètres. Victoire de Lewis Hamilton finalement devant Valtteri Bottas. Semble-t-il doublé Mercedes. On va voir ça dans un instant. On va ramener la voiture mais là vraiment le contact avec Raikkonen il n'était pas forcément nécessaire mais je croyais qu'il allait soulager. Eh ben, il l'a pas fait le Finlandais. J'aurais dû m'y attendre de sa part. Bah écoutez, voilà, on va ramener la 9ème position et les points du meilleur tour par la même occasion. Mais voilà, finish dans la douleur avec l'abandon de Romain en plus, c'est dommage. Ok, good job mate, really well done. That was a fantastic drive.
C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse! Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et après ce podium, voici les résultats définitifs de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Victoire de Lewis Hamilton devant Perez et donc Lucas Weber. Bottas qui termine 6e. Il y a sans doute eu vraiment un problème technique sur la voiture, au point de voir le pilote finlandais terminer au-delà du podium. Derrière le point de la 10e place pour Giovinazzi, nous on est 9e avec le point du meilleur tour. Si on jette un coup d'œil au classement général, Hamilton eh bien, prend désormais 11 points d'avance sur Vettel. C'est vrai que Ferrari, c'était pas leur week-end. Grosse remontée hein, de Leclerc qui était donc 19e et qui finit devant nous. Pierre Gasly remonte également, Perez nous passe devant à Romain et moi, mais on reste tous les deux dans le top 10 pour le classement écurie. Mercedes s'empare de la tête devant Ferrari, grosse montée de Racing Point, un point devant Red Bull. On est toujours 5e, on est décroché hein, désormais de Racing Point. Il faut dire qu'avec leurs 2 et 3e place, là ils nous ont mis une bonne pilule. Renault 6e devant Alpha qui quitte le lot des équipes qui n'ont pas encore marqué de points. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre ancien coéquipier de F2 en haut du podium aujourd'hui? Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Nous sommes en début de saison. Tout se passe comme vous le souhaitez? Vous avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas assez d'adhérence? Bien, ce sera tout, merci. Alors, on va s'attaquer à la mise à jour des R&D. Au niveau du moteur, on n'est pas si mal finalement, on s'en sort bien. Donc on va bosser sur l'aéro de la voiture, on va améliorer de nouveau l'aileron avant. Et on verra où on en sera. C'est vrai que là, Mercedes, Red Bull et Ferrari ont fait... un immense bond devant tout le monde. Et bien voilà pour les R&D. On va conclure ici ce 4e Grand Prix de la saison. On se donne rendez-vous pour la 5e épreuve de cette année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On vous attend dans les commentaires pour débriefer tout ça. Quant à moi, je vous souhaite bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite. Et à la prochaine. Salut !